C'était quoi ça? Bah, qu'est-ce qui se passe? T'as entendu? Eh, on vous a entendu, hein! Eh, qu'est-ce que vous faites? Ça, ça va pas de frapper les ânes? Vous savez pas, donc pas que les droits des animaux ont évolué? On est plus en 1844, hein, on est en 1845, hein, c'est fini ça! Hein. Y'a pas une petite pièce! Mais. Allons bon! Ça va pas faire du mal aux animaux? Mais c'est pas un animal, c'est ma mule! Et pourquoi vous la frappez? Écoutez, ma mule, c'est une petite cochonne. C'est ma femme. Donc je fasse comme avec ta mule, moi? Tu veux que je fasse comme avec ta mule? Ça va aller, ma petite mère, ça va aller. On s'en occupe maintenant de la mule. Allez hop, c'est bon. Allez, Richard. Allez, on va t'offrir un meilleur... une meilleure vie. Aïe! Hey! Putain, mais vous êtes fous! Si je vous retrouve à faire du mal à votre mule, j'en parlerai au shérif de je sais pas quelle ville. Il m'a mis une méchante droite. Ah ouais, j'ai vu. Il m'a pris pour sa mule. Regarde, Richard. Oh, un cheval abandonné. Ça va, mon mignon? Il est où, ton maître? Il y a quelqu'un? Oh, bonjour, mon beau monsieur. Votre cheval est... égaré. Qu'est-ce que vous dites? Vous nous donnez votre cheval parce que vous n'en avez plus besoin? Vous préférez vous déplacer à pied pour des questions d'écologie? Alors ça, monsieur, si ça... tout le monde faisait comme vous, ce vous serait formidable. Vous avez raison, et les gens comprennent pas ces choses-là encore, mais vous verrez plus tard. Merci pour le cheval, hein. Vous avez le cœur sur la main. Bonne journée. Arrête de taper dans le cheval. Arrête! Tu vas me laisser grimper sur ton cul! Eh, dis donc, on a dit qu'on était en 1845. Oui, mais c'est pas pareil. Il est costaud, il veut pas me laisser monter, hein. Il est vraiment fidèle. Allez, va. Va. J'en peux plus. J'ai déjà trois côtes cassées, j'en peux plus. Ah, la prise aérienne. Previously on Red Dead RP. Papy t'a donné quelque chose? Oui, beaucoup de bienveillance de sa part. Il faut qu'on y aille en tête avec un minimum avec lequel on va repartir. Ok, 300 dollars. 60 dollars, pas moins. 110 dollars et on se tape dans la main. Je les donne auquel? Sinon on se bagarre et celui qui gagne remporte l'argent. T'es sûr que tu veux continuer de battre parce qu'au bout d'un moment je crois que je vais te mettre KO. Jack, ça va? Tiens, elle était là, tu fais la voir. Mais qu'est-ce qui... Mais je suis grand! Je suis grand! Attends, c'est lui que je viens de voir courir là? J'ai cru voir un truc courir. Il ne va pas tarder. Yeehaw! Yeehi! Yeehi! C'est mon cheval! Allez, debout là! J'ai fini tout le ragoût! Bah... Ah, c'est le ragoût! On a passé une grosse soirée, Richard! Oh, j'ai rêvé que j'étais super grand! Mais je suis toujours petit! Putain, j'étais persuadé de t'avoir vu grand aussi, on a dû faire le même rêve! Ah, c'est bizarre! Hein. Alors, je te préviens tout de suite, j'étais parti m'acheter une carte à Blackwater. Vous la dis pas que un Mexicanos qui m'a dit de dégager parce que c'était la guerre. Mais j'ai pas entendu de coup de feu, donc je pense que c'était des conneries. Blackwater a toujours été une ville très calme. Bon, ça me paraît calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est le saloon? Y'a quelqu'un? Pourquoi c'est désert? Le calme avant la tempête, hein. Ouah! Acheter un billet? À quel prix? Pour combien? J'achète un billet. C'est 10 dollars! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? J'ai acheté un billet! À 10 dollars! Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, on dirait un genre de cinéma! Une espèce de cinéma avec des dames? Bah, pour l'instant non, mais ça se trouve, la fête va se gratiner! Mais tu as fait de billets, hein, c'est pour une seule personne. Ah bon? C'est pour ça que je vais parler des dames. Ah, c'est ce genre de cinéma? Bah attends deux secondes, je vais regarder ce qui se passe. Attention aux petites bêtes, hein, aux maladies. Y'a une dame qui veut me faire un show? Mais je me suis fait arnaquer. C'est où qu'on peut faire une réclamation? Le film était mauvais. On m'avait pas projeté de film et y'avait pas de dame. Eh bah c'est 10 dollars en moins. Putain, ça commence bien, hein. Oh, regarde, regarde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Fuyez, fuyez, c'est une zone de guerre ce soir. Fuyez, vite, vite, vite. Vite, fuyez. Pourquoi? Partez pour vos vies, fuyez pour ta pas vie, on t'a dit. Pourquoi fuyez, sinon que tu ne mets pas dans le cabessa. Je pense que c'est des conneries dans l'histoire de guerre. Il n'y a pas de guerre. Dans une guerre, il y a des soldats. Et des chevaux. Il n'y a pas de guerre, là. La guerre de la connerie, ouais. Et c'est eux qui vont la gagner. Ils sont là. Où ça, là? Près de leur cheval. Leur cheval? T'as pas fait des études de littérature, toi? Mais j'en vois qu'un. Ah, d'accord. Et si on se rapprochait discrètement?
On s'est fait tirer dessus. Oui, ça a sifflé. Ça vient de se faire sur le toit. C'est des fous furieux ici. Elle est passée par le bas de mon cul celle-ci. Alors maudite guerre, direction bon, Saint-Denis. Et attends, c'est... qu'est-ce que c'est ça, c'est d'église? Oh mais attends, mais c'est l'heure parfaite pour aller se recueillir. Bingo. Oh là, il y a des gens qui arrivent. C'est pas parce que quelqu'un regarde dans notre direction qu'il nous voit, non? Non, ça veut rien dire. Aïe! Ah mais c'est pas possible. J'ai mangé celle-ci, hein. On peut pas recueillir tranquille. C'est vraiment une ville où ils veulent jamais qu'on se recueille, hein. Alors que si on se recueille juste ici. Oh, putain de merde. Il y a un corrigible celui-là. Minerva Pratt. Minerva Pratt, notre tante. T'es si jeune. Pourquoi nous as-tu quitté? Bonjour. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a perdu notre tente. C'est pas le moment de... Ah, le soleil se lève. On a plus le temps de se recueillir. Merde. Bon, vas-y, mais... Et vous savez ce qui se passe en ville, là? Non. Ça va? Non. Ah, j'ai l'impression que ça va pas, là. Si vous voulez, je peux vous aider, je suis prêtre. Ah bon? Vous connaissez la blague du con qui reste derrière nous? S'il y a la guerre, pourquoi il parle prêtre? Il nous prend pour un con, lui. Il nous prend vraiment pour un con. Hein. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez à Saint-Denis? Vous êtes muet? Dites oui si vous êtes muet. Votre cheval est tout petit et tout chétif. Il irait beaucoup mieux avec quelqu'un comme moi, vous trouvez pas? Regardez. Waouh. On dirait qu'il a été fait pour moi. On dirait que ce cheval est fait pour toi. Ce serait idéal que ce soit le mien. Pour combien vous me le... Bah écoutez, si c'est gratuit... Une affaire rondement menée. Bah écoutez, suffisait d'être poli, hein. Il est tout petit. Mais il est parfait. Il a une belle robe. Oh non, non, il le supportera jamais. Il le supportera mais jamais. Mais si, il est fait pour ça. Garde-le, il traîne le cul par terre. Tu pèses 600 kilos. Mais non, hey, il a des couilles le cheval. Normal, c'est le mien. Eh pardon, c'est le whisky. C'est poétique. Deux hommes liés par l'amitié. Ah, tout droit. L'homme avec la charrette folle. On peut peut-être monter à l'arrière. Monsieur. Monsieur. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Quelle chance. Bonjour, monsieur. Vous iriez pas à Saint-Denis par hasard? Ah non, pas du tout, je me rends sur Blackwater, là. Parfait, on va à Saint-Denis. Eh ben écoutez, si ça vous dérange pas, on monte à l'arrière. D'accord, écoutez, je vais à Blackwater, hein. Très bien, Saint-Denis, vous pouvez juste nous déposer avant d'y aller. Je suis en train de travailler, là. Ah ouais, vous travaillez dans quoi? Bah, je suis en train de faire une livraison, monsieur. Une livraison de quoi? Bah écoutez, vous voyez bien ce qu'il y a à l'arrière. Nous? Par contre, ça va être vraiment compliqué, hein. Eh ben écoutez, je vous propose, à Blackwater, vous allez racheter une carriole plus grande, vous revenez ici... Et vous nous emmenez à Saint-Denis. Et vous nous emmenez à Saint-Denis. Comptez sur moi, attendez-moi ici, je reviens. Très bien, très merci bien. Beaucoup, monsieur. À tout de suite. Ouais, tout de suite. On vous attend. Heureusement qu'on a croisé, on va aller beaucoup plus vite à Saint-Denis. Oui, parce que là, sinon, on aurait mis au moins une bonne dizaine de minutes à y aller, hein. Alors que là... Ça va aller plus vite. Bon. Eh ben, on a qu'à aller vers Saint-Denis. Je suppose que ce gentleman nous retrouvera sur le chemin. Salut. Connard. Il nous a roté dessus, là. Il va dégueuler dessus. On me dit... Moi aussi, on me dit. C'est très insistant, mais pourquoi? T'es d'un naturel curieux, toi. Bah oui, mais genre, on me dit ça, mais on me dit pas pourquoi. Donc moi, je veux voir. Tiens, viens avec moi, Jack. Tu es prêt pour le plus grand tour de ma vie qui m'ait été donné de voir de toute ma vie? Tu vas foncer à toute allure par la porte qui est en face de moi sans t'arrêter. T'es sûr? Je te jure. Alors j'y vais. Ah! Je n'aurais jamais écouté Richard! Hein? Alors? Oh, j'ai eu si peur! T'as eu un genre de blackout total! Et je me suis pris les pavés dans la tronche! Mais non, tout ça c'est le fruit de ton imagination! Oh. En fait, j'ai drogué ton verre ce matin! Oh, les effets commencent dès maintenant! Attends, attends.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent qu'on leur revende des trucs? Messieurs, êtes-vous prêts pour le plus grand tour de magie de toute votre vie? J'ai envie de leur casser la gueule. Alors attendez, avant de me casser la gueule, suivez-moi, je vais vous montrer le plus grand tour de magie que vous allez voir de toute votre vie. Venez donc. Bah, je m'en branle. Bah, vous êtes le seul à être intéressé par le tour de magie. Ah, ils étaient censés venir. Pour seulement 5$, je vous donne accès à la plus grande expérience magique de toute votre vie. 5$, ça vaut le coup. Je suis désolé, je vais devoir vous encaisser maintenant si ça vous dérange pas. On avait bien dit 5$ chacun par contre, hein, parce que moi je règle tout le tour et je suis obligé de tout mettre en place, hein, c'est beaucoup de travail. Moi j'avais entendu pour 5$, j'avais pas entendu chacun. Je parle pas fort, vous savez. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous allez courir sans réfléchir et foncer à travers cette porte. Et ça c'est le tour. Ne vous inquiétez pas, vous allez revenir ébahi. Allez, Kazoum, Portoum, Vortexum, Bagoum. C'est parti, monsieur. Allez-y, foncez, foncez. Foncez, foncez, foncez. Ça se passe bien ici, messieurs. Bonjour, monsieur. Nous faisons des tours de magie. Êtes-vous intéressé par un tour de magie? Pour seulement 10$, je vous fais vivre l'expérience la plus épanouissante de toute votre vie. Je tente votre histoire, oui, du coup 10$, vous me dites. Ah bah super. 10$ seulement, monsieur. 10$ chacun, car je mets en place les tours et oui, règle toutes les machines. Bah voilà pour vous. Eh bien merci beaucoup. Merci, monsieur. Attention, je fais le sort. Avec un zoom, porte ouverte. Hop, là, c'est bon, allez, le tour est prêt, allez-y. Foncez dans cette porte, à toute vitesse, sans réfléchir. Allez-y, go. Allez-y. Eh bien, c'est que ça commence à faire du fric. Messieurs, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec votre tour. Ah, je vois qu'on a un client satisfait. Excusez-moi. Oui. Voulez-vous connaître un tour de magie époustouflant? Ça dépend, ce tour de magie, il est gratuit. Alors, non, c'est quand même l'expérience d'une vie, ça c'est là la différence, c'est que nous, c'est pas gratuit. Alors, il faudrait que j'aille retirer. Est-ce que vous pouvez. Je peux aller retirer ou. Bien sûr. Mais bien sûr, monsieur, on vous attend. Je vais aller retirer tout de suite. Il n'y a pas de problème. Bonjour, mademoiselle. Oh, bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour monsieur, pardon, pardonnez mon ami. Voulez-vous voir un tour de magie époustouflant? Enfin, des tours, j'en ai vu, si vous me faites une connerie avec des boules ou des bouts de chiffon. Alors là, merci. C'est un tour de magie qui va vous marquer toute votre vie. Attendez. Vous êtes bien apprêté, hein, si je peux me permettre. Ah, c'est gentil, merci. On va vous faire une offre. Pour seulement 40$, on vous fait vivre l'expérience la plus hallucinante de toute votre vie. Ça y est, j'ai l'air d'être riche comme ça, mais j'ai claqué toute la thune, hein. En réalité... Pour vous deux, écoutez, messieurs, 50$ en tout, 25$ par personne. Ça me paraît être une belle offre. Qu'est-ce oui, d'accord, 25$, ça me bosse. Eh bien écoutez, monsieur. Eh bon, on pourra régler 25 chacun, comme et ça le partage sera déjà fait. Je vous présente le couloir de la mort. Derrière cette porte se trouve un univers encore inconnu de tout explorateur. Je vais vous faire voyager au-delà de l'univers avec un simple sortilège que mon collègue va s'empresser de dire à voix haute. Ah, regarde un zoom ! C'était un sortilège très court mais efficace. À mon top départ, d'accord, vous courrez tous les deux en direction de cette porte sans vous arrêter. 3, le monsieur 2, en premier, le monsieur en premier. 1, okay. Allez-y monsieur, allez-y, allez-y, allez-y. À bon vous, voyage! À vous, monsieur! Vite! J'y vais! Eh ben, c'est que ça commence à faire du pognon, cette histoire! 3 chiffres! Eh ben! Objectif 4! Alors? Alors, comment c'était? Spectaculaire! Vous voulez de la pub? Ah bah, bien nous, sûr. Toute pub est bonne à prendre! Hein. Ouais, comme on dit dans le Wisconsin, bad buzz is still buzz! Oh, mais je vais faire de la pub! Bon, bah, merci, monsieur! Bien aimable! Eh ben, il est con, lui! Travaille pour nous gratuitement! Allez, merci! Ce serait pas l'ombrelle du gars de tout à l'heure? Si, je pense que le tour de magie l'a secoué. Ah bah le voilà. Ah, alors monsieur, qu'est-ce satisfait que vous en avez pensé? J'avoue que votre expérience est différente. Ah bah je vous avais prévenu, hein. C'est pas l'endroit. Mais je connais ça. Vous faites partie du gang des nains de Saint-Denis. Vous faites quoi comme spectacle? Eh bien écoutez, c'est 50$ par personne le tour. Et on peut vous faire un prix. Étant donné que cumulé vous faites un homme, on peut vous faire moitié prix. Donc ça fait 50$ pour un tour. Exactement. Et sinon c'est satisfait ou remboursé? Bien sûr. Bien sûr, évidemment. J'ai l'impression que vous voulez nous faire une entreloupe. Non, on entreloupe personne. Moi, je suis client moi-même, monsieur. 4 tours, alors alors, je sais comment faire, venez. Jack, je te laisse prendre un des deux messieurs et lui faire un tour ici. Moi, je prends quelqu'un d'autre. Vous allez faire le tour signature de la maison. Alors là, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Je vous présente la porte du destin. Cette porte ouvre les dimensions. Et ce monsieur derrière vous,
en est témoin. Je vais d'abord réciter un sort pour qu'elle puisse s'ouvrir à votre venue. Pinchapoula mala. Et quand je vais faire mon décompte, vous foncerez vers cette porte en oubliant que c'est une porte. Vous êtes prêt à vivre l'expérience la plus formidable de toute votre vie? 1, 2, 3. Courez! Courez après! Here we go! Pierre, on a bien le destin. Alors, et qu'est-ce qu'il a pensé, le petit monsieur? Comment vous m'avez fait disparaître d'un côté que je suis réapparu de l'autre? Vous êtes trop fort comme magicien. Eh oui, je parle avec la porte et c'est bien pour ça que je suis là. Vous avez pu faire le tour? Le tour a été fait et ce monsieur est très satisfait. Ah bah, vous avez vu? On s'est pas foutu de vous. Regarde-moi, Jack. Viens avec moi. Tu vois la porte du destin qui est juste ici, là? Oui, je la vois. Eh bah, tu trouves un autre truc pour lui faire une autre formulation. Hop, mais c'est le même tour. Allez, hop. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai perdu l'autre dans le jardin. Il est encore là, le magicien! Mais c'est Madame Nazar! Mais non, mais on se connaît! Vous avez expérimenté la porte des mystères, mais connaissez-vous la porte du destin? Je crois que j'ai un mauvais esprit depuis tout à l'heure. Les gens me tombent dessus du ciel! Ah, alors? Je vais prononcer la formule et vous courrez dans la porte. Je sais pas ce que c'est, mais si je trouve le connard qui fait ça, je peux vous dire qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Hein. Enculum reparum! En fait, le monsieur, il m'a présenté la porte du destin et j'ai atterri devant Madame Nazar! Ah non, j'ai pensé que c'était une porte! Wow. Eh ben ça a très bien marché. Oh, la lumière du destin m'éblouit. Non mais c'est lui. Tout à l'heure qui fait pleuvoir des gens du ciel. C'est incroyable. Bon, pendant que mon collègue ne regarde pas, foncez dans la porte. Putain, béni des dieux. Oui, c'est parce qu'on essaye d'expérimenter un nouveau tour. Vous savez, on a des problèmes d'argent et on a trouvé un filon. Ok, montrez-moi ça. Ah, on peut vous le montrer, mais vous n'avez pas dérogé à la règle. Le deuxième tour que j'ai payé pour moi, je le paye pour elle au final, c'est bon? Très bien, très bien. Vous avez grand cœur. Parce que quand même, à 100$ le tour... Quoi? $100, Léo? Non, mais Madame Nazar, on va pas discuter du prix. De toute façon, c'était une offre, c'était une réduction. Allez-y. Ça, c'est quand même dingue que ce soit vous qui balanciez des gens et qui tombe sur moi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je crois que je n'ai jamais marché sur de la moquette. Tic-tac, boum-tac. Hop là, attention, non, pas trop non plus. Mais attendez. Est-ce que j'ai une garantie quand même que je ne vais pas mourir ou en tout cas quelque chose de bizarre? La garantie, c'est que 100% de nos clients ont été satisfaits. Comme okay, ces deux petits messieurs. Adieu. En tout cas, personne s'est jamais venu sur l'aide. Bon, on espère que Madame Nazar se porte bien. Ah, Madame Nazar est ici. Je me suis retrouvée dans des histoires, je vous dis pas. Hein. Je suis tombée dans un trou, puis dans un trou, puis dans un homme, puis j'ai apparu, il y avait un musicien. C'est la porte des mystères. Eh oui, la porte des mystères, malheureusement, elle est incontrôlable. Hein. Et l'autre, du coup, c'est la porte c'est la porte du destin. Oui. Bon, je vais tester. Pour vous, Madame Nazar, après tout ce qu'on a traversé, seulement $50. C'est déjà moitié prix. J'apprécie le geste. Eh oui. Merci bien. Jack, je te laisse emmener Madame Nazar à la porte du destin. Je vais faire autre chose. Ah, ça fait pas mal au moins. Ah, vous verrez, ce tour-là est au moins deux fois mieux que la porte des mystères. Hein. Il faut que j'arrive à estimer où est-ce qu'elle va atterrir. Ce tour met en scène une porte et votre destin, car c'est la porte du destin. Parce que si c'est la porte du destin, il faut que je lui fasse comprendre que c'est moi son destin. Et quand cette porte va s'ouvrir, vous verrez deux choses. Beaucoup de lumière, et cette autre chose, c'est votre destin. Mais pour ça, il faut qu'elle atterrisse devant moi. Et comment je vais faire? Alors je vais commencer la formule. Enculum reparum! Elle a l'air d'avoir apprécié. Elle est là. Madame Nazar, si vous avez emprunté la porte du destin, j'ai l'impression que c'est bien moi votre destin. Comme par hasard. Bah oui. Vous venez d'arriver? Bah j'étais là. Pourquoi vous n'avez pas parlé de vos dons, des magies comme ça hein? Bah parce qu'on les a exploités, à vrai dire, qu'à partir d'aujourd'hui. Mais vous êtes déjà très fort. Hein. Merci vous beaucoup. Vous avez dû vous faire un sacré pognon, hein? L'argent. Bon, allez, trop de questions. Oui. Pas de ça entre nous. Combien vous avez fait hein, ce soir? Honnêtement, je pense qu'on s'est fait pas loin de 300 billets. C'est ingénieux, hein, tout de même. Merci, hein, surtout que le théâtre est même pas à nous. Hein. Alors, vous avez vu votre destin quand même dit, du coup. Ah oui, on m'a dit tu dis rien. Je dis rien. Bon vieux Jack, j'ai vraiment du fric. Moi aussi. Voilà, ça fait gling gling. Il y a un braquage de banque là-bas. Oui, ouais. Merci, il faut faire très attention. Ouais. Allez, bonne journée. Ils vont quand même là-bas. Non, ouais, on fait gaffe. On croit toujours à ce qu'on voit. Voilà.